La première chose qui me vient pour toi, Virginie, c'est pourquoi est-ce que tu tentes de contrôler ton état animal? L'état animal, par définition, ne se contrôle pas. Pas en lui-même. Tu peux contrôler, établir, créer un cadre dans lequel tu vas pouvoir, toi, faire jaillir l'animal qui est en toi. Derrière, ça résonne honte. Honte de ne pas réussir à obtenir le but que tu t'étais fixé. Tu établis des règles concernant une situation, un état d'être, l'animalité, sur lequel tu ne peux pas contrôler. Et ensuite, tu t'étonnes que ce soit disharmonieux. Je vais dire ça autrement. Ok. Ouais, ok. Alors, la honte. La honte, sur quoi elle est posée chez toi? Elle est posée sur ton délire utopiste. Ton délire utopiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un besoin de te vivre parfaite. Un besoin d'écrire toi-même consciemment les règles, le scénario de ton existence et avoir la certitude que tu vas suivre à la lettre le scénario. Et la désillusion ou le côté, alors pas culpabilité, mais le côté regret de cette expérience que je ressens derrière, c'est ce regret de ne pas avoir pu respecter le scénario. Donc tu es sur une notion de contrôle qui est liée à la guerrière. Voilà comment moi je mets en forme l'archétype guerrière. Dont tu me parles dans ton mail, pour moi c'est une notion de contrôle. Pourquoi contrôle? Et plutôt, ou plutôt, d'où vient cette notion de contrôle de guerrière? Elle est posée sur ta capacité à créer des limites dans ta vie. Ta capacité à ta. Ah oui, tu veux te protéger des personnes qui sont potentiellement agressives. Et donc pour ça, toi, tu connectes toi-même ton agressivité. Donc, déjà, ton agressivité, qu'est-ce que ça résonne? Ça résonne puissance fondatrice. Donc, tu t'es mis une condition sine qua non, une injonction à pouvoir utiliser cette puissance fondatrice, donc ce côté guerrière, cette puissance créatrice, si tu veux. C'est uniquement lorsqu'on t'attaque, uniquement lorsque tu sens que ça sent la merde à l'extérieur. Et bien toi, tu peux ressortir le côté guerrier, le côté puissance, le côté je crée mes limites. Et à partir, en fait, c'est ça le schéma sur lequel, autour duquel tu tournes depuis dans ton expérience. Si je te le résume, tu n'es pas capable par toi-même de poser des limites, de poser une direction dans ta vie. Il te faut toujours quelqu'un, soit qui t'agresse, soit qui t'accompagne. Tu peux pas être déconnecté de la jouissance. Parce que t'as pas. En fait, non, mais ça me renvoie toujours les mêmes informations pour toi. L'expérience que tu me décris dans ton mail résonne, je suis fautive. Je suis fautive de ne pas être capable de respecter mon propre scénario. Et ça, c'est basé sur quoi? C'est basé sur. Tu joues à cache-cache avec ta puissance fondatrice, avec ton pouvoir de créer des limites dans ta vie, ton pouvoir de créer tes propres règles, et donc de ne pas être obligé de sortir par la force des choses, soit lorsque les autres t'agressent, soit en te faisant accompagner. Et ça signifie autre chose pour toi. C'est ce que m'envoie ta structure. C'est quand est-ce que tu fais les choses pour toi-même? Et quand est-ce que tu fais les choses pour rien? Ni pour obtenir quelque chose, ni pour esquiver quelque chose. Encore plus en profondeur, voilà ce qui résonne réellement en fait. C'est, tu n'es pas là pour vivre quelque chose de prévu. Et ça, c'est ça, c'est aussi pour le groupe. L'imprévu fait partie de la vie. On veut mettre de l'ordre dans le chaos. On est un peu comme ces mathématiciens qui. On crée le tableau périodique des éléments ou des chimistes, enfin je sais plus, je m'y connais pas. Et qui s'illusionne que l'univers ne peut se comprendre que par ce biais-là.
comme si on avait rangé l'univers dans des petites cases avec des petits numéros, et on se targue de pouvoir comprendre la vie, de pouvoir la contrôler. Et on se targue, et on se targue, et on se vante de pouvoir se contrôler soi-même en tant qu'être humain. Voilà ce que ça résonne. On voudrait, encore une fois, être le héros de l'histoire, l'héroïne de l'histoire, qui a contrôlé son animalité, qui a contrôlé tout d'elle, tout de lui, et qui par conséquent est au-dessus des autres. On se crée un piédestal totalement illusoire basé sur un caca énorme. Ce caca, c'est quoi ? L'humain est imparfait. L'humain est à 100% imparfait. Et à 100% parfait simultanément. Il n'y a pas de 50-50. Et ce mensonge que l'on se crée nous coupe de notre puissance. Nous coupe totalement de qui on est. Et de la joie et de la jouissance à être à la fois un caca et à la fois du terreau.